What's up la gang? Bienvenue au vlog number 2 du FEC 2022, mon ami. À soir, c'est Jack Johnson. Yeah! Fait que Jack Johnson, moi j'aime bien ça. De la bonne petite musique summer, c'est bien chill, c'est bien relax. Bien curieux de voir comment ça va se passer ce show-là. Sans plus tarder, je vous donne du footage. On fait une petite review. Malheureusement, je vais manquer le show de Tash Sultana puis G-Froy direct avant parce que Héloïse finit de travailler à 8h. Fait qu'on pourra pas les voir. On devrait arriver correct pour Jack Johnson. Fait que c'est parti, mes amis. On y va, yeah! Il est 9h, mes amis. Le show commence dans 30 minutes. On s'est trouvé un parking à l'avenue du Parc. Ça a été tough en esti! Mais on s'en vient. Let's go! Même à 9h, ça se remplit encore. Oh yeah! On est quand même loin. Ça va être nos places pour ce soir. On est arrivé quand même à 7h.
bones fell fold and disclose. Heaven was placed in its place. Now everything I got you, I don't need nothing more than. I think I need reflection, I think I'm getting older. I don't wanna think anymore. It comes again, no matter if I say one thing about it. In the end, it begins again, all the way. Waking up too early, maybe we could sleep. Or make banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time. J'espère que vous avez apprécié ce petit footage du show de Jack Johnson d'hier soir, mes amis. On était peut-être un petit peu loin, fait que c'était pas super comme au show de Charlotte, là. Mais néanmoins, moi je pense qu'on a eu un méchant bon show, encore une fois. Je le comparerai pas à Charlotte Cardin parce que, évidemment, c'était deux artistes complètement différents, puis c'était deux genres assez différents. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment comparable les deux. Tu sais, Charlotte, c'est un petit peu plus épique, c'est un petit peu plus grandiose, elle a une voix très, très puissante. Tandis que Jack Johnson, c'était mellow, c'était chill, c'était relax, puis c'était number one, honnêtement. Jack Johnson, c'était un méchant bon guitariste, t'aurais dû voir son jeu de guitare, mon homme, c'était incredible. J'ai essayé de le filmer, je sais pas si on voyait comme faux, mais c'était quelque chose. Puis, ses co-musiciens étaient tout aussi excellents, mon ami. C'était vraiment cool. Shout-out à Zach avec son petit casque de poêle et son accordéon, mon gars. Il a steal the show, c'était vraiment cool. Mais comme je disais tantôt, du Jack Johnson, c'est chill, c'est relax. Puis ça m'amène à ma première critique du show. Ou peut-être pas mal la seule. Je pense que le show aurait peut-être plus marché si ça avait été sur une plus petite scène, à la place d'une grosse scène. Parce que là, Jack Johnson, ils ont comme remixé les tunes. Mais à la base, t'sais, c'est très intime, c'est très relax comme musique. Puis t'sais, c'est peut-être pas nécessairement un gros party banger tout le temps, tu sais. C'est pour ça que, de où ce que moi et Elise, on était, à partir de la moitié du show, il y avait déjà des gens qui s'en allaient parce que clairement, ben, ils s'ennuyaient. Là, je parle pas des fans méga de Jack Johnson, tu sais. Je parle du monde qui était dans les collines, puis du monde qui était plus en arrière de la petite tente au noir en avant, là. T'sais, où ce que nous autres, on était. Nous autres, on est restés tout le long parce qu'on aimait ça. Tu sais, on est arrivé en retard, fait qu'on avait pas le choix d'être un petit peu plus en arrière. Tu sais, où c'est qu'on était? Il y avait déjà du monde qui s'en allait rendu au milieu du show.
Fait que peut-être, je sais que Jack Johnson en même temps c'est un gros nom, fait que c'est sûr que peu importe où c'est qu'il l'aurait mis, il aurait attiré une foule de monde, puis ça aurait peut-être pas été possible de mettre ça sur une petite scène, mais quand même, je pense que si ça avait été sur une petite scène, ça aurait été peut-être meilleur, ça aurait été plus intime, tu sais, comme la musique à Jack Johnson dans le fond, là, tu sais. Mais ça, c'est juste mon point personnel. Dis-moi ce que t'en penses dans les comments, mon chumin. Parce que le monde qui était en avant, il avait l'air d'avoir du fun en tabarnak. Puis du côté des visuals, j'ai vraiment aimé le petit thème beach, là, un petit peu vague, là, tu sais, océan, là. C'était vraiment. Tu sais, Jack, c'est un surfer boy, fait que, tu sais, la vibe était là, la vibe était là, mon gars, là. Fait quoi? Ouais, un show un petit peu plus relax, un petit peu plus chill que, mettons, Charlotte hier, mais quand même assez entertaining. Puis, ben, c'était le fun, man, c'était le fun. Fait que le final verdict, je donne le show de Jack Johnson un gros 8,5 sur 10, mon chumé. Yes, sir. Toi, c'est quoi ton score, mon chumé? Dis-moi-le dans les comments. On se voit à soir. Pour le show de Luke Combs, mon chumé. Yes, sir!